Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, re-bienvenue. Bonjour tout le Pour monde. les nouveaux qui se joignent à nous, j'ai bien hâte de vous présenter aujourd'hui la conférence virtuelle du docteur Gilles Lapointe sur le maintien d'une bonne santé physique et mentale dans un monde où tout change, on sait, surtout en ce moment. Bien sûr, présenté par Chartwell et Résidences pour retraités. Je m'appelle Stéphanie Forbes, je suis chef principale chez Chartwell. Et juste avant de commencer, j'aimerais mentionner que cette présentation est enregistrée et sera fournie aux participants qui sont inscrits sur notre site. On va vous envoyer la vidéo, ça va être disponible par la suite. Mais on veut bien évidemment que vous restiez pour toute la durée de la présentation parce qu'à la fin, le doc, comme il demande que je l'appelle, donc le doc répondra aux questions que vous aurez soumises. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la section des commentaires juste en dessous, que ce soit sur Facebook ou YouTube, pour pouvoir soumettre une question. Et on fera notre mieux pour y répondre à la fin. On a déjà reçu quelques questions à l'avance également. Donc, ça va être un beau moment là, après la présentation du Doc Lapointe. De plus, je fais une petite précision en raison de la pandémie. Doc Lapointe et moi sommes de la maison. Alors, veuillez nous excuser en avance si jamais il y a des petites interruptions non sollicitées, mauvaise connexion, un enfant qui rentre ou un chien qui aboie. Mais on va se croiser les doigts. Tout devrait très bien se passer. Alors, laissez-moi vous parler du Doc Lapointe. Gradué de la faculté de médecine de l'Université Laval en 1974, il est membre de la Corporation des médecins de la province de Québec. Animateur de télévision, de l'émission Gilles Lapointe MD sur le réseau TVA, il a rapidement acquis crédibilité et notoriété auprès de la population grâce à ses connaissances et ses talents de communicateur. Chroniqueur santé pour la revue 7 jours, le journal Le Soleil, le journal 50+. Donc, au cours des 30 dernières années, c'est sûr que vous l'avez vu dans notre paysage médiatique. On a régulièrement entendu ses chroniques, autant à la radio qu'à la télévision. Le docteur Gilles Lapointe est intéressé particulièrement par la médecine préventive, le sport, le stress et la recherche d'un meilleur équilibre de vie. C'est à travers ses conférences qu'il vise à faire prendre conscience aux gens que la santé, c'est la vie. Son premier livre, Docteur, aidez-moi, déjà vendu à plus de 40 000 exemplaires, est un best-seller. Alors, pour avoir discuté avec lui souvent dans les dernières semaines, c'est mon plus récent coup de cœur. Alors, je suis fière de vous présenter le docteur Gilles Lapointe. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. On dit maintenir sa santé physique et mentale dans un monde de changement. Je dois vous avouer, mesdames, messieurs, que c'est la première fois que je fais une présentation comme ça. Je suis habitué de faire des conférences devant 300-400 personnes avec un gros écran et c'est comme un dessin animé. Mais de cette façon-là, vous voyez, alors il faut être capable de s'adapter au changement. Alors, merci d'être là et pour cette conférence qui s'intitule « Maintenir sa santé physique et mentale dans un monde où tout change », parce que tout change actuellement. Vous savez, ça fait quelques années que je pratique la médecine et j'ai découvert une chose, mesdames, messieurs, c'est que nous, les médecins, on est chanceux parce qu'on a un peu de remède un petit peu pour tout. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a des maux de tête, ben, on a une petite pilule. On a des nausées, ben, on a une petite pilule. On a mal partout, ben, on a une autre pilule. On ne sait pas où on a mal, on a une autre pilule. Alors, vous voyez, on a des pilules pour un petit peu pour tout. Puis, il y en a pour certains pour qui, si ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours celle-ci. Hein? Ça va pas bien, ça va bien. Alors, on consomme. Alors, simplement pour vous dire que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence-là, qui va parler de vieillissement et de paquet de choses, mais il y a des points sur lesquels je vais vous apporter qui sont extrêmement importants et intéressants. Je sais, mesdames, messieurs, que vous êtes des gens d'expérience. Ce qu'on vit actuellement, c'est un gros changement. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous en parler. Vous êtes peut-être plus au courant que moi, je peux l'être. Mais à travers tous ces changements-là, Doc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut demeurer en santé? Et c'est ça le but. Et comme je vous mentionnais, vous avez passé des choses qui ne sont pas faciles dans votre vie. Et naturellement, il va y en avoir d'autres des fois. Mais je pense que les gens qui demeurent forts et demeurent en santé, ils peuvent passer à travers ces choses-là. C'est un peu comme les jeunes et les moins jeunes. Hein? Vous voyez la jeune dame dans l'écran. Vieillir, il n'y a rien là. Donc, les vieux, vous avez tout ce qu'il faut. Vous chialez le ventre plein. Vous voyez un autre bonhomme avec une bière. Il dit, vous avez de l'argent, vous voyagez, vous êtes choyé par la vie, vous voulez tout gratuitement, vous avez des enfants qui vous gâtent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais l'autre madame, un petit peu plus vieille, qui dit, attendez d'être rendu là, les jeunes, pour parler comme ça. Parce que vous parlez sans savoir. Alors, l'important, c'est, voyez-vous, l'expérience qui parle.
C'est comme une jeune informatrice qui dit, papy, donne-moi 1 $ et je vais te dire qui couche avec mamie quand tu n'es pas là. Il dit, je t'en donne 2, dis-moi c'est qui. Elle dit, c'est moi. Alors voilà, elle nous informe que c'est elle qui couche avec papy. Voilà. Alors, ou avec mamie, c'est ça. Alors, message clair du Doc Lapointe. Mesdames, messieurs, je veux simplement vous dire que le but de la présentation n'est pas de vous aider à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux. Mais mon but, c'est de vous aider à ajouter de la santé. Comme on dit toujours, quand la santé va, tout va. Ajouter de la santé, de la vie, du bonheur aux années qu'il vous reste. Et elle dit, ouais, mais là, est-ce que c'est possible? Moi, je vous dis, mesdames, messieurs, oui, c'est possible. Alors, l'important, c'est d'être aussi capable, comme on entend parler de plus en plus, de vivre le moment présent. Le succès dans la retraite. Voyez ici, mesdames, messieurs, vous avez un plat avec un morceau de bœuf, une viande, une protéine, vous avez des légumes, vous voyez le ressourcement, les activités qu'on peut faire, l'alimentation, l'amitié, la spiritualité. Et vous voyez en bas de l'écran, vous voyez 2 X rouges. Mesdames, messieurs, sachez une chose. Comme je vous ai montré tantôt, un paquet de pilules. Sachez que je ne suis pas contre les pilules, c'est pas ça. Mais si je peux vous empêcher d'être obligé d'en prendre plus qu'il faut, puis on dit aujourd'hui que les personnes âgées sont surmédicalisées ou surmédicamentées, et toutes les espèces d'équipements qu'on a pour les prises de glycémie et tout ça, si on peut s'éloigner de ça, ben naturellement, c'est à notre avantage. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Vieillir n'est pas péché. On aurait pu interpréter ou donner le titre de la conférence. Vieillir n'est pas péché. Voyez? Et en 2021, conserver sa santé dans un monde de changement, ça passe, comme la diapo le mentionne, ça passe par la prévention. C'est comme le monsieur dit, est-ce que tu te retires, mon Louis? Louis répond, non, non, je me retire pas, je me réoriente. Alors, dans la retraite, c'est souvent ça, là, je rentrerai pas dans la retraite, ça va peut-être être une autre conférence, c'est à espérer, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, ma grand-mère disait, tu dois comprendre que les gens heureux ne perdent pas leur temps en faisant du mal aux autres. Et la méchanceté, pardon, la méchanceté, c'est pour les gens malheureux, frustrés, médiocres et envieux. On n'a jamais dit c'est vrai. Mais le Doc Lapointe, mesdames, messieurs, ajoute ceci. Il faut comprendre, je dis, les gens heureux ne perdent pas de temps à faire du mal aux autres. Mais moi, j'ajoute ceci en tant que médecin, la jalousie, l'envie, l'insatisfaction, l'hostilité, le chiolage, la peur et, naturellement, l'inquiétude, mesdames, messieurs, ça rend malade. Croyez-moi, c'est en tant que médecin que je vous le dis. Félix Leclerc disait, c'est pas parce que je suis un vieux pommier que je vais donner des vieilles pommes. Et d'ailleurs, les meilleures pommes viennent peut-être des vieux pommiers. La motivation, le talent, les potentiels et l'estime de soi, ça doit pas se perdre avec l'âge. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve souvent. Il y a un poème qui dit, on devient vieux à quel âge? Alors, se demander à quel âge on devient vieux, c'est comme se demander à quelle hauteur est-ce que c'est haut. Ça dit tout. Alors, on devient vieux quand on n'a plus rien à espérer. On devient vieux quand on ne s'intéresse plus aux gens. On devient vieux quand on ne veut plus entendre rien, que le rire joyeux des enfants, on ne veut plus l'entendre, ni écouter l'histoire des enfants. On devient vieux lorsque tout le monde a tort et que seulement nous, on a raison. Okay? Et à quel âge devient-on vieux? On peut devenir vieux à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans et 60 ans. Je le dis toujours aux gens dans mes conférences, mesdames, messieurs, je vois des jeunes de 35 ans qui sont plus vieux dans leur cerveau que des gens de 85 ans. Moi, j'ai perdu ma mère à 94 ans et mon père à 97. Il a joué de la musique, de la trompette, jusqu'à 2 mois avant sa mort à 97 ans. Alors donc, ça dépend beaucoup de l'attitude mentale dans la vie. Comprenez? Alors, quand on regarde ça, tu dis, Félix a écrit un superbe poème qui s'appelle Vieillir en beauté. Il dit, c'est vieillir avec cœur, sans remords, sans regrets, sans regard des leurs. Aller de l'avant et arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache du bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garde des seins en dedans et en dehors. Mon Dieu, que c'est beau ça. Ne jamais abdiquer devant un effort, car l'âge n'a rien à faire avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin et qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il n'y a rien d'autre que quelque chose. Il y a toujours une rescousse en quelque part. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement, ne pas pleurer pour des souvenirs d'antan et être fier de nos cheveux blancs. Il dit vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui on peut dire bonjour. C'est une thérapie, ça. Et vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir. Être content de soi en se couchant le soir. Et lorsqu'on viendra au point du non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Ne regrette pas de vieillir, c'est le privilège refusé à beaucoup de gens. Mon Dieu, que c'est beau. Mesdames, messieurs, avec tout ce qui se passe actuellement, je dis aux gens qu'il faut être créatif. Vous voyez l'image. Vous voyez un monsieur qui est au fond d'un précipice. Il a les bras croisés. Il aurait besoin d'une injection. Une injection de pouvoir et de sagesse. Et la vie nous offre deux choix. Alors, tu fais comme le monsieur. Tu ne fais rien en disant que la vie est injuste. Et au lieu de faire ça, que dans la vie, par contre, tout est possible. Puis se sortir de mauvais état. Voyez le monsieur à droite qui a pris une pierre, une roche, et puis il est en train de se bâtir un escalier pour se sortir du précipice. Alors voilà l'importance de la créativité dans les jours qu'on passe aujourd'hui qui ne sont pas faciles. Johnny Joey Jones, un retraité de la marine américaine. Vous voyez, mesdames, messieurs, il y a deux prothèses artificielles. Okay? Parce qu'il y a eu une section des deux jambes lorsqu'il y a eu une bombe quand il était dans les Marines américaines. Alors, les gens me demandent comment je fais pour rester si positif après avoir perdu mes deux jambes. Il dit, je leur demande simplement comment eux, ils restent si négatifs avec la leur. Alors, mesdames, messieurs, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça veut tout dire. Des recettes miracles, non, il n'en existe pas. Il n'y a pas de recette toute faite à l'avance. Moi, je n'ai pas de salade à vendre. Je n'ai pas de promesses existentielles à vous faire. Je n'ai pas de remède pour la COVID, pour le diabète, pour le cancer, pour l'Alzheimer. J'en ai pas de ça. Et je suis pas comme le vieux quêteux, comme dirait Yves Lambert. J'ai pas de remède pour tout, de pilule pour tout. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas d'injection pour la fontaine de jouvence, la fontaine de jeunesse. Ce sont des choses que les gens savent, mais que souvent, comme le doc dit, c'est des conseils pratico-pratiques qu'on ne met pas en pratique. Et le plus difficile à faire, c'est quoi? C'est justement de pratiquer ces choses-là. Parce que ce que je donne, c'est du gros bon sens. C'est comme Lao Tzu disait, qui ne sait rire ou quoi que ce soit est voué à l'explosion. Ben, ça veut tout dire finalement, ça. Ça veut tout dire. Alors, une grande vérité, c'est comme le proverbe tibétain. Le secret pour bien vieillir et bien vivre, c'est de manger la moitié, de marcher le double, de rire le triple et d'aimer sans mesure. C'est pas beau, ça. Mais moi, j'ajoute une chose. Le Doc Lapointe ajoute se calmer les nerfs. Quand on dit d'être capable de prendre un pas de reculons, de se reposer, de méditer un peu, de s'asseoir tranquillement et de bien respirer, c'est tout ça que ça veut dire. C'est un peu comme le jeune couple ici, que le monsieur dit à la madame, ton parfum est tout simplement envoûtant. C'est quoi au juste? C'est de l'absorbine junior. Alors, vous voyez, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Charlie Chaplin disait, tout le monde, vous connaissez Charlie Chaplin, hein, au début du 20e siècle, il disait, rien n'est éternel dans ce beau monde, pas même nos problèmes, parce qu'il y a toujours une fin à nos problèmes. Il dit, j'aime marcher sous la pluie parce que personne ne peut voir mes larmes. Ça veut dire que même en tant que comédien et qui nous fait rire aux larmes, lui aussi pleure. Il dit, le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où on ne rit plus. Et je vais y revenir tantôt là-dessus dans les conseils. Et Charlie Chaplin disait aussi, les six meilleurs médecins, selon lui, le soleil, le repos, l'exercice, le régime alimentaire, l'estime de soi et sixièmement les amis. Je lui ai dit, Doc, c'est quoi le septième soi-même? J'ai sorti une cassette, mesdames, messieurs, un CD, il y a peut-être 3, 4 ans passés, et je disais, mais le titre était Découvrir le médecin en soi. Parce que dans chacun de nous autres, il y a un médecin, mais malheureusement, on ne l'écoute pas. Et c'est comme la madame ici, Innovation Tupperware. Les madames disent à l'autre de son ami, c'était son soi, elle a toujours aimé les produits Tupperware. Ben justement, dans un cercueil de Tupperware. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est des farces parce que c'est ce que j'appelle des jokes, parce qu'il faut en avoir des jokes dans notre vie. Alors, l'âgisme. Tu dis, ouais, Doc, c'est quoi cette affaire-là? En 100 ans, l'espérance de vie a augmenté de 28 ans, mesdames et messieurs. Et lorsqu'on parle d'âgisme, comme vous le voyez, c'est des préjugés envers les aînés.
On infantilise souvent les aînés. On dit qu'ils sont des gens dépendants. Et l'âgisme, c'est des préjugés. Et on faisait une enquête à un moment donné, et 70% des aînés disaient qu'ils voulaient demeurer actifs. Mais regardez bien, mesdames, messieurs. Il y a une étude qui a été faite par Merrill Lynch il y a quelques années où le profil âgiste existe aussi chez les professionnels de la santé. Pourquoi? Parce qu'on a des espèces de mythes envers le vieillissement. L'âgisme nécrose, ben, c'est des culs parce que c'est toujours la jeunesse qu'on met en avant. C'est la culture de la productivité, on a peur de la mort. C'est là, lorsqu'on parle d'âgisme, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte là-dedans. Les femmes, ben, c'est par rapport à soi-même, c'est par rapport aux autres. L'âgisme, ça nous amène aussi de la désintégration sociale et possiblement de la dépression parce qu'il y a tellement de mythes comme dire vieillir, c'est de mourir un peu. Vieillir, c'est d'être malade. Mesdames, messieurs, j'aurais pu intituler cette conférence-là un an plus jeune l'an prochain. Parce que quand on prend les mesures pour bien vieillir, ça va de soi qu'on est capable de quoi? De reprendre, de retrouver sa santé. Alors, pourquoi l'âgisme? On manque de médecins spécialisés, mesdames, messieurs, pour les personnes âgées. On manque de gérontologues. On dit qu'on a moins accès aux soins santé. Il y a moins de dépistage qui se fait. Alors, tout ça mène à une qualité de vieillissement qui est un peu moins bonne. Alors, comment on vainc l'âgisme? On va le voir un petit peu plus loin. Agrandir, voyez, le grand malheur de l'être humain est d'exister sans vivre. C'est une triste chose de savoir que la nature parle et que les gens n'écoutent pas. Mesdames, messieurs, ça, c'est Victor Hugo qui disait ça. Et je trouve ça extraordinaire. Je vous raconte une petite anecdote. En 1970, je viens de finir ma première année de médecine. Je suis en stage chez nous au Nouveau-Brunswick, où on peut travailler un peu comme interne. Je suis un spécialiste, le docteur Vincent Lagacé, qui est un orthopédiste. Il est en train de faire un plan et on parle de santé et tout ça. Et il m'a dit une chose qui m'est jamais quitté l'esprit, mesdames, messieurs, qui m'a jamais quitté l'esprit. Il m'a dit, mon Gilles, tu vas apprendre qu'en médecine et en santé, les gens ne s'éduquent pas. Je suis en première année de médecine, moi, là, mesdames, messieurs. Je suis en première année, j'ai des rêves extraordinaires et j'ai un spécialiste, un bon spécialiste qui me dit, les gens ne s'éduquent pas. Et mesdames, messieurs, croyez-le ou non, après un mois de pratique, je me suis dit, ça me revenait ce que le docteur Lagacé m'avait dit. Et après 20 ans, j'ai dû cesser, mesdames, messieurs, de faire de la pratique dans mon bureau et de me tourner vers les conférences parce qu'il dit, je me disais, il faut que j'aille dire aux gens que pour être en santé, il faut être capable d'écouter les conseils. Mais sauf que ça me revenait toujours, ça me hantait ce que le docteur Lagacé me disait, que les gens ne s'éduquent pas. Et mesdames, messieurs, la raison pour laquelle j'ai quitté pour les conférences, c'est que j'avais 25% de ma clientèle qui écoutait ce que j'avais à dire et qui écoutait mes conseils. Alors, c'est pas étonnant que lorsqu'on dit que les gens n'écoutent pas, savoir écouter, c'est un art. Et entendre ne veut pas dire, ah, j'ai entendu ça. Non, non, non. Écoutez. Parce que l'ouïe est un sens. Et l'écoute est un art. Alors, ça, j'ai découvert ça en pratique, que les gens, malheureusement, n'écoutent pas. Et regardez, un animal, c'est difficile à dresser. Vous voyez le virus de la COVID dans l'écran. Pourtant, regardez le nombre d'humains qui ne connaissent pas les mots assis, reste et maison. Comprenez? On ne comprend pas ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'avec la COVID, ce qui se passe actuellement, il faut être capable d'écouter. Et on dit que les gens de 50 ans et plus, c'est une grande richesse. Le Dalaï Lama disait, lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau. Je m'excuse pour une gorgée d'eau. Merci, excusez-moi. Alors ça, c'est le Dalaï Lama. Pourquoi les gens de 50 ans, mesdames, messieurs? Voyez, regardez, après 50 ans, c'est de l'argent dans les cheveux, c'est de l'or dans les dents, c'est des cailloux dans les reins, c'est du sucre dans le sang, c'est du plomb dans les pieds, c'est du fer dans les articulations et c'est une source inépuisable de gaz naturel. Alors, vous ne pensiez pas d'avoir autant de richesses après 50 ans. C'est une farce, naturellement, mesdames et messieurs, parce que j'aime en mettre dans ces choses-là. Larry Winget, pardon, c'est un motivologue américain. Il a écrit un volume il y a quelques années qui s'appelle Tais-toi, arrête de te plaindre et déniaise. Vous voyez, mesdames et messieurs, et à la page 95 de son volume, si jamais vous le lisez, vous allez voir que c'est un motivologue, ce n'est pas un médecin. Vous allez voir que Winget, il dit que
En matière de santé, les gens sont des ignorants. C'est épouvantable. C'est un motivologue, pas un médecin. Alors, c'est pour ça que je vous dis que à la page 95, quand il dit que les gens sont ignorants, il dit, on a tout ce qu'il faut pour être en santé, mais malheureusement, on n'écoute pas et on ne le fait pas. C'est un peu comme des niaises. C'est pour ça que j'intitule ceci des niaises. Vous voyez un cœur avec un cerveau. Ton cœur a quelque... Donne pas ton cœur à quelqu'un qui a besoin d'un cerveau. Alors, je dis aux gens, il ne faut pas s'énerver avec des niaiseries. Parce que je vous dis, mesdames, messieurs, il y a plus de choses, de niaiseries qui rendent les gens malades que des vraies choses de la vie. Alors, essayez pas de changer le monde. J'ai essayé ça, mesdames, messieurs, mais en 1984, je suis rentré à pleine face dans le mur avec un épuisement. Parce que j'essayais de changer le monde. Se déniaiser. Voyez, mesdames, messieurs, la douleur rend aimable, la douleur vous rend plus humain, les échecs vous rendent plus humble et les épreuves vous rendent plus fort. Se déniaiser, déniaise, déniaise. Le problème, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les gens. Voyez, monsieur, le patient, il dit au docteur Lapointe, docteur, j'ai un méchant problème, c'est mon cerveau, j'oublie tout, tout, tout. Alors, le docteur Lapointe, il répond, c'est vrai, alors tu vas me payer tout de suite. Au cas où tu oublies de payer, tu vas me payer tout de suite. Déniaise. Vous voyez, mesdames, messieurs? Alors, c'est ça, c'est ça ce que je veux faire. Je vais refermer ça ici. Alors, je change de... Oh! Oh, là, on a un petit problème, ma belle. Alors, encore une fois, déniaise, mari et femme. Le monsieur est en train de lire son journal, il lit dans son horoscope. Il dit à sa femme, mon amour, mon horoscope me dit que ce sera le plus beau jour de ma vie. Elle dit, attends-toi ça, mon ami. Elle dit, ce sera le mien aussi, Johnny Boy. La madame a ses valises, pas sac le camp. Alors, déniaise. Alors, un autre souvenir, déniaisé. J'ai demandé à mon grand-père, après 60 ans, le mariage, tu appelles toujours grand-maman, chérie, ma belle et mon amour. C'est quoi votre secret, grand-papa? Il dit, j'ai oublié son nom il y a 5 ans et j'ai peur de lui demander. Ben, déniaise. Exactement, c'est tout ce que ça veut dire. Madame Sophie, sa philosophie, mesdames, messieurs, elle dit, pour une meilleure digestion, je bois de la bière. En cas de perte d'appétit, je bois du vin blanc. En cas d'une basse pression, je bois du vin rouge. En cas de rhume et de haute pression, je bois du scotch. Et si j'ai un rhume, je bois du schnapps. Alors, l'intervieweur, il dit, quand buvez-vous de l'eau, madame? Elle dit, je suis jamais assez malade pour ça. C'est, naturellement, c'est une joke, mesdames, messieurs, c'est déniaise parce qu'il faut en boire de l'eau. Alors, ça va de soi. Grande réflexion. Tout le monde, vous avez entendu parler du docteur Albert Schweitzer. Il a gagné le prix Nobel en 1952. Et lui, il disait, le vrai médecin est le médecin intérieur. Il dit, la plupart des médecins ignorent cette science pourtant si efficace et importante. Alors, moi, je dis, le doc, quand je parle, j'ai sorti un CD, il y a, comme je disais tantôt, il y a 4-5 ans, sur découvrir le médecin en soi. Je parlais d'alimentation, de méditation, de rire, de bouger, garder son optimisme et l'humour. Voilà l'importance, parce qu'on a tous un médecin en soi. Visite chez le bon médecin. Alors, quand on regarde le médecin, il dit, monsieur, votre douleur dans la jambe droite est due à la vieillesse. Le monsieur répond, il dit, je m'excuse, docteur, mais ma jambe gauche a le même âge et elle ne fait pas mal. Alors, voilà. C'est déniaise encore une autre fois. On vit dans une société de stress et de changement. C'est la vie moderne, mesdames, messieurs. Tout est urgent. Tout va vite. Il y a eu plus de changements dans les 25 dernières années, mesdames, messieurs, qu'il y en a eu depuis 500 ans. Vous imaginez, on se demande pourquoi les gens sont un peu nerveux et pourquoi c'est un tsunami actuellement qui s'est produit au point de vue des changements. Et on dit que la vie n'est que changement. Tout est en train de changer, mesdames, messieurs. Tout change. Les mentalités changent, le monde change, les technologies, la façon de faire, notre corps change avec l'âge et même les milieux de travail. Et Alvin Toffler, qui a écrit Le choc du futur, il est sorti dans son volume Les nouveaux pouvoirs en 1980, il disait, les analphabètes du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ni écrire, ce seront ceux et celles qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Mais mesdames, messieurs, c'est ce qu'on vit actuellement, que cette pandémie-là nous donne des choses qu'il va falloir oublier et réapprendre. Pourquoi? Parce que la vie change. Même aujourd'hui, la race humaine est en train de se détruire elle-même. Elle n'a pas besoin de virus. Elle est le virus. Je ne me souviens pas par qui ça a été dit. Je ne sais pas si c'est de là où tu es, peu importe.
mais c'est une vérité actuellement qu'on ne peut pas nier. Un peu comme tout change, vous voyez, la gamme malade tient le téléphone du monsieur dans le dos et elle dit respirez profondément, le médecin travaille de la maison, de la télémédecine, vous voyez, ou de la médecine par le téléphone et ces choses-là. Alors, vous imaginez quand on dit que tout change. Regardez le petit bonhomme ici. Il y a plein de joie en avant de lui. Okay? Il y a toutes sortes de choses. Mais regardez, il est devant sa tablette. Vous voyez? C'est ça le nouveau jeu. Et tout change. Nous aussi, on change. Tu sais, quand on regarde au point de vue de la ménopause chez la femme, les rides apparaissent, il y a des cellulites, pardon, il y a des jambes lourdes, il y a du poids, il y a les hormones qui font des changements, il y a le ventre qui fait des siennes. C'est la même chose chez les hommes. Les hommes, la testostérone qui baisse, la perte des cheveux, la perte musculaire, il y a de la dysfonction érectile, il y a de la mémoire qui est moins bonne, il y a des hormones qui changent, l'anxiété. C'est normal. C'est des changements. On vieillit. Mais est-ce qu'il faut mal vieillir? Non. La preuve que tout change, regardez bien, la médecine se modernise. À présent, tout peut se faire par coloscopie, mais en ligne. C'est une farce. Mais c'est vrai, mesdames, messieurs, qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais regardez bien l'image suivante. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Le monde évolue, mais comment? Voyez la vieille madame, la madame âgée. Elle est là, puis dans son cerveau, elle se dit à ses petits-enfants et ses neveux et nièces, merci d'être venu me rendre visite. Il y en a six, vous les voyez? Les six sont quoi? Sont sur leur téléphone intelligent. Est-ce qu'ils portent attention à cette madame âgée? Je suis pas sûr. La preuve du réchauffement planétaire, tout change. Regardez, mesdames, messieurs, en 1720, ce qu'on appelait anciennement les caleçons, hein, les sous-vêtements. Regardez que ça a changé de 1900, 1950. En 1980, c'était presque tout petit. Regardez en 2010, mesdames, messieurs, c'est une petite pièce d'à peu près quoi, 2 pouces par 2 pouces et ça se vend 10 fois plus cher que la grosse culotte de 1720. Alors, quand on dit que le monde change, toute une différence, absolument toute une différence. Et regardez bien, 2021, je regardais une série sur Netflix et il y avait des gens qui se faisaient la bise et des accolades. C'est toujours un peu émouvant de regarder des documents historiques sur les civilisations anciennes. Mesdames, messieurs, on parle de 2019, 2020, 2021, civilisations anciennes. Alors, vous voyez, quand on dit que tout change. Et on a fait une étude récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu une émission à la télévision. Où on faisait une étude sur ce que pensent les gens âgés ou rendus à un certain âge, sur ce qu'ils pensent du vieillissement. Et les gens disaient, on est souvent mis de côté. On nous oublie. On manque de considération envers nous, de la discrimination, ce que j'appelle âgisme. On est plus ou moins bien compris. On laisse trop les autres décider pour nous autres. Encore beaucoup de préjugés face au vieillissement et on a une espèce de sentiment d'infériorité, une infériorité face aux jeunes. Et c'est des préjugés. Et les gens âgés disaient, notre voix résonne peu. Et souvent, on est jugé, on est mal compris. On est tassé par la société. Alors, les gens disaient, c'est quoi vieillir? À quand devient-on vieux? C'est extraordinaire, hein? Alors, mes conseils pratico-pratiques, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait devant tout ça? Vous voyez la madame ici, au niveau de son cerveau, il y a de la pluie qui tombe, il y a des éclairs. Et vous voyez l'autre image à côté, c'est le soleil. Le soleil apparaît. Alors moi, je dis mes conseils pratiques, c'est dans l'attitude, la façon de voir les choses, mes choix. Mesdames, messieurs, quand on dit on n'a pas de choix, c'est rare qu'on n'a pas le choix, mesdames, messieurs. Tu sais, c'est comme tu traverses la rue, il y a une lumière rouge, ça t'avertit que tu ne dois pas traverser parce que tes chances de te faire frapper sont peut-être de 97%. Alors si tu traverses sur la verte, ben les chances sont beaucoup moins. Alors, mes habitudes, quelles sont? Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus difficile, mesdames, messieurs. Le plus difficile dans la vie, là, c'est d'abandonner des mauvaises habitudes et d'en prendre des bonnes. Et l'action, qu'est-ce que je fais comme action? Je dis aux gens, mes conseils pratiques, essaye donc pas de plaire à tout le monde. Mesdames, messieurs, j'ai essayé de faire ça quand j'ai commencé à pratiquer. Et en 1984, j'ai fait un épuisement total. Je voulais changer de monde. Ça se fait pas. Je dis aux gens, arrête de t'énerver. Calme tes nerfs. Réfléchis avant d'agir. Parle pour être compris. Parle pour être compris. Okay? Écoute, apprends. Toffler l'a dit, il faut être capable d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Vous voyez? Être capable, oui, respecter les autres, mais se respecter soi-même aussi. La vie, c'est souvent un miroir. Et je dis aux gens, essaye d'éviter de te rendre malade. C'est pour ça qu'on donne des conseils. Il n'y en a pas de recette miracle. Mais essaye d'éviter de te rendre malade. Ici, maintenant.
Profite de la vie. Je sais, vous avez dit, Doc, c'est difficile actuellement, la pandémie. Mais comme je vous disais au début de la conférence, il y a des gens âgés qui ont vécu des périodes beaucoup plus difficiles que ça. Quand je regarde, moi, ma mère, 15 grossesses en 18 ans, 11 enfants vivants, mesdames, messieurs, pas de monnaie, pas d'argent. Moi, j'ai tout gagné mes études à partir de l'âge de 13 ans. Mon collégial, mes études médicales, j'ai tout gagné. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Ici, maintenant, être capable de profiter. Je dis souvent aux gens, méfiez-vous. Parfois, la maladie est simplement un message que la vie t'envoie pour être capable de changer des choses. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui, Doc, vous voyez dans l'écran, mesdames, messieurs, je dois passer des examens. Je suis entièrement d'accord. La tension artérielle, la surveiller, pas exagérer le sel. Le cholestérol, mesdames, messieurs, oui, il y a toutes sortes de médicaments, mais aussi de la graine de lin, il y a du chia, il y a des avocats qu'on peut manger, il y a du chanvre, tout ça qui peuvent aider. Il y a le métamucil, n'importe quoi. La glycémie, car je dis souvent que le sucre est un poison. Surveiller son poids. L'hérédité, oui, l'hérédité, ça, c'est un facteur, mais ce n'est pas l'unique facteur. Ne pas fumer. Avoir, le doc ajoute, avoir des amis, la bonne attitude mentale et enlever l'inquiétude et la peur. Je dis, mesdames, messieurs, l'inquiétude, c'est un cancer. C'est épouvantable. Ça peut détruire une personne. Et naturellement, en vieillissant, avoir une passion ou un but. Voyez ici, Doc, qu'est-ce que tu veux signifier par la chaise? Mesdames, messieurs, il y a trois, quatre points majeurs sur une chaise. Il y a les quatre pattes, sinon, tu tombes. Alors, la première patte, un mental actif, engagé. Okay? Deuxièmement, ce mental-là, il peut être engagé par de la bonne alimentation, par de la bonne exercice. Okay? Et naturellement, ça devrait être en rouge qui clignote des bons liens sociaux. Parce qu'on vit en société. Okay? Cinquièmement, même en tant que personne âgée, j'ai 73 ans, mesdames, messieurs, je ne veux pas arrêter de faire des conférences et je ne veux pas arrêter de faire de la musique qu'on va faire tantôt. Et être capable de s'assurer d'avoir de la nature, méditer, s'en aller marcher dehors. Des points d'équilibre 5 et 6, avoir un but et méditer. Comme des femmes en grande discussion, toi, madame italienne, une question de choix. L'une qui dit à mon décès, je vais être incinérée. L'autre répond, moi, je vais être inhumé. Et la troisième répond, elle dit, eh bien, moi, avec tout le vin que je bois, je veux être embouteillé. Alors, ça, c'est très sage. La nature, mesdames, messieurs, la nature, la marche. Le docteur Yves Rouleau, psychiatre qui est décédé récemment à 96 ans, le bon docteur Rouleau, il disait, quand on va éloigner l'homme de la nature, on le perd. Alors, l'importance de diminuer le stress, régulateur d'hormones, améliore le sommeil, régularise le sang au niveau, le glycémie au niveau du sang. Ça améliore la créativité. Je dis aux gens, les Japonais, ils ont appelé ça la sylvothérapie. La thérapie par la nature, toucher à un arbre, allonge, ça allonge la vie des gens et ça protège la santé et ça apaise l'esprit. Je peux pas assez insister là-dessus, mesdames, messieurs, de se garder en forme, d'essayer de se lever de son divan. Puis même dire, ouais, mais donc on ne peut pas aller dehors, vous pouvez marcher dans le corridor, vous pouvez marcher dans la maison, d'être capable de bouger, prendre un petit poids, le lever, lever un petit poids pour garder les muscles en forme. C'est ça l'importance de la santé et c'est ça la santé. Et dites-vous une chose, il y aura une vie après la COVID. La vie est une aventure, vous le savez, à l'âge que vous avez, vous le savez. Vivez-la, sentez-la, aimez la vie, riez, pleurez, jouez, gagnez, perdez. Oui, trébucher, mais se relever debout et continuer. Ça s'appelle la résilience. Et concernant le rire, mesdames, messieurs, je vous lis un petit passage qui dit ceci. Ne vous arrêtez jamais de sourire. C'est mieux d'arriver à la vieillesse avec des rides dans la figure plutôt que des vergetures sur le cœur. C'est assez beau, je le répète. Ne vous arrêtez jamais de sourire. C'est mieux d'arriver à la vieillesse avec des rides plutôt que des vergetures sur le cœur. Quand on dit, mesdames, messieurs, sentez-la, aimez-la, la vie. Tu t'ennuies de quelqu'un? Appelle la personne. Tu vas avoir un invité chez vous, là, c'est correct, c'est avec la COVID, mais invitez-la, la personne. Si tu veux être compris, parle, explique-toi. Comme j'ai marqué dans mon volume, ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer. Alors, explique-toi. Tu as quelque chose, tu as une question à poser, pose-la ta question. Tu as quelque chose, tu as de la peine. Explique-la ta peine. Dis-la. Parle. Tu aimes quelqu'un. Dis-le à cette personne-là que tu aimes. Tu as du mal à l'âme. Parle-en. Tu aimes. Tu aimes, je le répète. Tu aimes. Dis-le. Dis-le, explique-le.
Et comme on dit bien, mesdames, messieurs, les deux personnes âgées qui sont là, ils rient, hein, ils sont en train de rire. On ne boit pas et on ne se drogue pas, mais à notre âge, juste le fait de se lever trop rapidement donne le même effet. Alors, vous allez dire, donc, oui, je suis d'accord avec vous, mesdames, messieurs, c'est une joke, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et j'aurais tellement, mesdames, messieurs, tellement de choses à vous dire concernant la vieillesse et vieillesse, j'aime pas ça, c'est être capable de l'âge mature, j'appelle ça l'âge mature, pas la vieillesse, parce que la vieillesse, pour moi, c'est un peu péjoratif, négatif. Alors, j'aime mieux vieillir en santé, j'aime mieux parler de l'âge mature. Et quand on dit que la retraite, mesdames, messieurs, il ne faut pas se retraiter de la vie. Il ne faut pas se retraiter de la vie. Il faut faire d'autres choses. Mon père, mesdames, messieurs, a arrêté. Mon père est mopologiste. Il faisait de l'entretien ménager dans des écoles. Et, mesdames, messieurs, c'était l'homme qui était extrêmement sage. C'était peut-être le meilleur psychologue de l'école. Et comme je vous disais tantôt, il a arrêté de jouer de la musique à 97 ans. Il a arrêté, la commission scolaire l'a mis dehors parce qu'il travaillait dans les écoles à 74 ans. Vous imaginez? Alors moi, j'en ai 73, je continue à faire des choses. Mais c'est ça la vie. C'est ça qu'il faut être capable. Il n'y en a pas de médicaments miracles, il n'y en a pas de recettes miracles, cherchez-en pas. Mais être capable de prendre sa journée, de vivre pleinement sa vie à chaque jour, mesdames, messieurs, c'est de là l'importance. Alors, en terminant, je veux remercier les gens de Chartwell, les gens qui nous écoutent, les gens qui sont sur le web, les gens qui sont sur Facebook et tout. Je vous remercie d'être là. Et j'espère que j'aurai la chance parce que c'est, comme je mentionnais, c'est la première fois que je fais une telle présentation. Je sais que je gesticule beaucoup. J'ai fait beaucoup de télévision. C'était un petit peu plus calme. Là, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Mais je vous souhaite, mes amis, je vous souhaite de vieillir sagement. Je vous souhaite du succès. Je vous souhaite du bonheur. Mais avant tout, je vous souhaite l'élément le plus important, qui est capable de profiter de la vie. D'être capable de jouer, comme disait le docteur Rouleau, d'être capable d'aller dehors, de profiter de la nature et d'être bien avec vous-même. De vieillir sagement et de vieillir en santé et de conserver le plus beau cadeau de la vie, qui s'appelle la santé physique et mentale. Et je dis toujours aux gens, la vie est courte et on meurt longtemps. La vie est courte et on meurt longtemps. Alors, les conseils du doc, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Mais mesdames, messieurs, comme je le mentionnais depuis le début, les gens, et comme je le disais, une personne sur quatre, une sur quatre, vous voyez, c'est pas beaucoup, une sur quatre à la clinique où je pratiquais, mettait en pratique les conseils que je leur donnais. Alors, c'est pas fort. Alors, quand je parle de repos, de bonne alimentation, d'exercice, d'équilibre, de prendre le temps, smell the coffee, prendre le temps de smell the roses, prendre le temps de respirer le parfum des roses, de respirer le parfum du bon café, et n'allez pas dire que le café est mauvais pour la santé, je m'en excuse, ça c'est une autre partie que je donnerai peut-être d'une conférence, si on en veut une, et être capable de transmettre de l'amour, n'en donnez, gênez-vous-en pas, donnez-en de l'amour et naturellement de l'humour, parce que la santé, le rire, comme je le mentionnais, c'est de la santé. Alors, pour vous dire un gros merci, mesdames, messieurs, vous savez que mon plus gros passe-temps, mon passe-temps préféré, favori, c'est de la musique. Alors, j'ai ma petite guitare ici à côté de moi et je veux simplement vous interpréter une couple de petits couplets de chansons pour terminer cette conférence. À celui qui en veut, à toute chose heureuse, et caresse avec joie le malheur qu'il provoque, se riant bêtement des abîmes qu'il creuse et ne sachant trop plus ce qui fait rire ou qui choque. À celui-là je dis, il est d'une promesse, c'est une fleur d'amour, un sourire d'enfant, allez au cœur même de ton âme en détresse, sois celui du soleil et des nuages autour. Une autre petite. Oui, j'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Oui, je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas un jour.
dans son cœur, qui donne des trois ses yeux. Car merci à Desjardins, j'ai pris l'harmonica descendue dans la peau. Oh, mais le ciel, le village, échappé, sans du tout. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Oh, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Je vous aime beaucoup, mesdames, messieurs, et j'espère que vous allez profiter et que vous allez mettre en pratique les petits conseils du Doc. Je vous fais la grosse bise et je remercie tous les gens qui ont participé à l'élaboration de cette conférence. Et je vous dis santé et longue vie. Au revoir. Faut pas se leurrer. Alors, maintenant, tu sais, je donne toujours l'exemple, Stéphanie, de que je fais un lien avec la retraite. J'entends souvent les gens me dire, ah, doc, quand je vais prendre ma retraite, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire une autre chose, je vais faire ça. Je dis aux gens, si vous n'avez jamais voyagé, est-ce que vous pensez qu'à la retraite, on va commencer à voyager? Si vous êtes une personne qui avait jamais communiqué vraiment avec les gens, est-ce qu'à la retraite, vous allez commencer à communiquer? Alors, c'est la même chose avec la pandémie. Si on se donne un petit peu la chance de faire des choses, par exemple, de servir de la technologie, vous avez un téléphone, vous voulez parler à quelqu'un, appelez là la personne, vous avez Internet, vous avez, écoute, la technologie actuellement, elle est là. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, on a tout pour ça. Mais en plus de la communication avec les autres, c'est qu'il faut soi-même aussi faire des efforts pour créer des choses, dans le sens que faire du ménage un peu dans sa vie, tu sais, faire un peu de place, créer du
du nouveau. Et quand je dis aux gens, quand je parlais de créativité dans la conférence, moi, j'ai un volume ici que ma bonne amie, la sœur Angèle, ma bonne sœur Angela, l'italien. Alors, tu sais, j'apprends un mot, une couple de mots à tous les jours. Et c'est un peu ça que la pandémie, hein, on peut servir, que ce soit au niveau de par exemple, de commencer à cuisiner, apprendre une nouvelle langue, apprendre des choses. La pandémie sert à ça. Puis, mais quand on n'a jamais eu, par exemple, ce désir de découvrir des choses, d'avoir cette espèce de curiosité, si on ne l'a jamais eu, c'est sûr et certain qu'avec la pandémie, si les gens n'ont jamais fait ça, ben, ça serait peut-être le temps qu'ils commencent à se découvrir, puis à découvrir des choses, puis à découvrir des gens. Et quand on a envie de parler à du monde, d'inviter à des gens, je comprends qu'il y a du confinement et tout, mais comme je mentionne, il va y avoir une vie après ça. Alors, il faut se servir des moyens qu'on a. Et puis, écoutez, on a le monde, Stéphanie, au bout des doigts. On simplement à servir d'Internet, on peut découvrir mais un million de choses, que ce soit au point de vue de l'histoire, que ce soit au point de vue de la cuisine, que ce soit au point de vue des aventures. C'est absolument incroyable. Alors, si on s'ennuie durant la pandémie, qu'on n'a rien vraiment à faire, c'est parce qu'auparavant, peut-être qu'on s'ennuyait aussi. Il faut considérer ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Puis, tu sais, ben on le vit tous, là, la COVID, dans le fond, mais selon vous, selon votre expérience comme médecin, ça va être quoi le plus grand impact de la COVID sur les aînés? Ben, on pourrait parler sur les gens en général, mais allons-y peut-être pour nos participants, pour les aînés. Il ne faut pas se leurrer, Stéphanie. C'est que les gens, on parle des gens qui d'âge d'or et des gens matures. Il faut pas oublier une chose, Stéphanie, c'est que ces gens-là sont pas mal plus résilients qu'on croit. OK? Ces gens-là ont passé à travers des... Je regarde, par exemple, juste l'exemple de mes parents. Quand ma mère me racontait ce que, dans son jeune âge, quand elle a commencé, parce que 15 grossesses, comme je mentionnais, en 18 ans, c'est quelque chose. Alors, tu sais, quand je regarde la pandémie, moi, là, Stéphanie, on est né chez nous, des sous, on n'en avait pas beaucoup. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, l'été, pour gagner des sous pour aller au collège et tout payer mes études universitaires et payer toutes mes études collégiales. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai reçu. Alors, quand on regarde au niveau de la pandémie, ce que ça peut créer chez les gens, bien, chaque personne réagit différemment. Mais chez les personnes âgées, comme je mentionnais, faut dire que ces gens-là sont pas mal plus résilients qu'on pense. Et lorsqu'on regarde, moi, par exemple, Stéphanie, OK, on était 11 enfants vivants chez nous, des sous, on n'en avait pas beaucoup. Alors, il fallait être créatif et d'être capable de dire, bon, ben écoute, il y a des choses qui se passent qui sont pas faciles, mais on va passer à travers. Et la pandémie, c'est un peu ça qu'elle est en train de nous enseigner. Moi, je regarde, je vais dire, ouais, mais j'ai 11 enfants, tu étais le dernier, oui. Mais quel problème que j'ai eu, moi, Stéphanie? J'avais les études, le sport et la musique. Est-ce que j'avais besoin de plus que ça? Mais pas du tout. Et la misère, est-ce que j'en ai eu de la misère? La seule misère que j'ai eue, c'est de gagner mes études et c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai reçu. Alors, quand on regarde la misère que nous autres, les jeunes qu'on a eus, je me considère jeune à 73 ans, mais les jeunes, ils ont pas connu, tu sais, on parle des enfants rois et ces choses, ils ont tout eu de cuit dans le bec. Alors, c'est sûr que la pandémie arrive, bang, et on a ça en pleine face, on dit, mon Dieu, mais on est perdu. Non. Faut pas se leurrer, là. Les personnes âgées, ils ont pas mal plus de résilience, ils ont pas mal plus de défense. C'est des gens, j'adore, moi, parler aux personnes âgées. Pourquoi, Stéphanie? Parce que ce sont des gens qui ont vécu des choses, ce sont des gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens qui nous regardent aller. Mon père me disait, quand je lui disais qu'il était décédé à 97 ans, mon père me disait, pauvre Gilles, il a joué dans les salles de danse, Stéphanie, pendant peut-être 70 ans. Il me racontait des choses que je raconterais pas. Mais quand on pense qu'on invente des choses, je vais dire quelque chose, Stéphanie, puis aux gens qui nous écoutent, des inventions, là, oui, la technologie, puis tout ça, mais l'être humain, tu sais, on regarde. Moi, Stéphanie, j'ai rien contre la technologie. Si la technologie est là et que le développement mental et la santé mentale des gens est là aussi, pas de problème avec ça. Mais si la technologie est ici et que le développement mental et nos problèmes sont là, l'on fait face à ce que j'appelle un vrai problème. Alors, la pandémie, il faut s'en servir, et puisqu'on n'a jamais vraiment... Il y a des gens qui ont connu de la misère, les personnes âgées qui m'écoutent, probablement qui ont connu pas mal plus de difficultés
que la pandémie qui existe actuellement, parce qu'il va y avoir une fin à cette pandémie-là. Mm-hmm. Comme je dis, souvent, il faut faire une espèce de ménage en soi et à l'extérieur. Une de mes amies, Aline, m'avait envoyé quelque chose que c'était le temps de faire du ménage. Ben, je l'ai fait. Et puis, il faut le faire, tu sais. Alors, c'est tout ça que cette pandémie-là est en train de nous apprendre une leçon. Moi, je ne parle pas de pandémie, je parle de pensémie. Penser. La pensée, commencer à découvrir les choses et comment dans la vie, il ne faut jamais s'attendre. Tu sais, quand on s'attend, les attentes, Stéphanie, les attentes des gens, c'est un peu comme en amour, les gens s'attendent à ce que, bon, ben j'aimerais ça. Quand je disais, si tu veux quelque chose, parle-en. Quand ça va pas bien, j'ai écrit dans mon volume, ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer. Tu as quelque chose en dedans, puis j'ai vu ça en clinique combien de fois, Stéphanie? Je dis à monsieur, madame, parlez. Pas capable de parler. Ça m'étouffe. Ça nous étouffe. Alors, tu sais, quand on dit, tout passe par le cœur, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a blessé le cœur. Ça veut dire une chose, c'est que tout ce qui se passe au niveau du cerveau va se transmettre ailleurs. Mmh. Alors, il faut se servir de la pandémie. Oui, bien, il faut essayer de trouver le... des moyens pour le capable de... Oui, c'est ça. Oui, exactement. Comme disait le professeur Cellier, Stéphanie, d'être capable de s'adapter. Et le docteur Frankel, qui a écrit un volume, qui a passé 3 années dans les camps de concentration, et puis lui, il disait que ne cherche pas le bonheur, cherche une raison pour être heureux. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe autour de nous, que ce soit en technologie ou dans n'importe quoi, même avec les enfants, puis comme la diapo que je montrais avec le petit bébé qui est devant sa tablette, avec toutes les joies qu'il y a là, mais c'est ça qu'on fait. Alors, il faut découvrir, il faut être capable de sortir de ces sentiers battus-là, puis dire, wow, qu'est-ce que je suis capable de faire devant tout ça, moi? Tu sais, puis il n'y a pas des recettes miracles, là. Il n'y en a pas. Il n'en existe pas, là. Tu sais, des vendeurs de miracles, puis des producteurs de salades, puis des ci, puis des ça, là. Il n'y en a pas de ça, là. Tu sais, c'est du gros GBS, ce qu'on appelle du gros GBS. Ouais. Mais justement, dans votre conférence, vous donnez vraiment plusieurs conseils, mais. Des fois, j'ai l'impression que comme être humain, on veut tout attaquer en même temps, au lieu de peut-être commencer par un volet, puis après ça, s'attaquer à un autre, à un autre, à un autre. Ça serait, pour vous, là, c'est lequel le conseil le plus, mettons, celui sur lequel on mise en premier avant de continuer avec le reste? Il y a plusieurs choses. Comme je mentionnais, le professeur Cellier disait qu'il faut être capable de s'adapter. Parce que, comme je disais dans la conférence, premièrement, la conférence conserver sa santé dans un monde de changement, on sait que tout change actuellement. C'est la vitesse, Stéphanie. Comme tu mentionnais, les gens veulent que ça aille vite. Une peine d'amour, il faut que ça se passe dans 2 jours pour que ça soit fini. Les gens décèdent près de nous autres, on enterre les gens, on fait une petite réception, puis bingo, on pense que c'est terminé. C'est pas fini. Être capable de conserver là, sa santé, c'est d'être capable de faire face à l'inconnu et faire face à des imprévus. Une des premières choses que je mentionne aux gens, Stéphanie, c'est d'être capable de protéger son cerveau. Parce que comme mon ami, le docteur Gilles Bercé, qui est gynécologue, qui est à la retraite, me disait, Gilles, faut découvrir des choses, faut être capable de créer, d'être créatif. Lui, il fait des espèces de petites boîtes pour conserver des bijoux, c'est ça, avec des bois qui fait venir de partout. Alors, c'est un intérêt. Alors, protéger son cerveau, c'est être capable de... Oui, on parle beaucoup aujourd'hui d'amour. Alors, on parle d'amour et d'amour, mais l'amour, ça va loin. Il y a l'amour entre 2 personnes, il y a l'amour pour les autres, mais aussi l'amour pour la vie, l'amour pour les arts, l'amour pour la musique, l'amour pour des choses. On parle d'alimentation pour le cerveau, Stéphanie. Bon, je donne des conférences. Je dis aux gens, mesdames, messieurs, mettons qu'il y a 200 personnes. Qui ici mange bien? Bien, sur 200 personnes, il y a peut-être 300 mains qui se lèvent parce qu'il y en a qui lèvent les deux bras en l'air. Non, mais c'est ça. Alors qu'on sait très bien, Stéphanie, qu'il y a peut-être 10 à 15% des gens qui mangent bien. Mm-hmm. Et on dit la protection de la pandémie. Je veux dire, les gens me demandent souvent, Gilles, parce que j'essaye de manger le mieux possible, OK? Et les gens me disent, Gilles, est-ce que tu prends les vitamines? Mais c'est prouvé que les spécialistes au niveau de l'alimentation et des vitamines, on dit la vitamine D, parce que le soleil, on n'en a pas beaucoup, de la vitamine C, pour stimuler le système immunitaire, un peu comme la vitamine D, et le zinc. Qu'est-ce qu'on va chercher le zinc? Moi, mais le zinc, donc on en manque de zinc, alors qu'on sait que le zinc aide à protéger la cellule pour empêcher le microbe de pénétrer dans la cellule.
Là, aujourd'hui, on parlait au début, bon, on n'a pas besoin de masque pour la pandémie. Là, on a commencé avec un masque à la pandémie. Là, on a dit, bon, là, je pense que ça en prendrait deux pour protéger à 92 %. Mais quand est-ce qu'on va se rendre à 3 puis 4? Tu sais, c'est comme si... Alors que les gens mangent beaucoup, beaucoup de sucre, qui est un inflammatoire, alors qui inflamme les cellules, et qui, on parle de cholestérol, mais souvent, c'est beaucoup plus le sucre que le cholestérol. Quand on demande aux gens de bouger, moi, mais doc, moi, dans ma chambre, on peut pas, comment on ne peut pas bouger dans sa chambre? On peut marcher, on peut prendre des petits poids, mettons des canettes qui pèsent, mettons, une livre, puis les levain, faire des exercices comme ça. Au lieu de, comme je dis, mentionner, de critiquer puis de chialer, pourquoi on ne s'arrête pas méditer? Ma mère chez nous disait la prière. Oui, on doc, la prière. Mais oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire évoquer le Seigneur et la Vierge et tout ça. Les gens que tu as aimés qui ne sont plus là, demande-leur de t'aider. Demande-leur. Ils vont t'aider. Même chose au niveau, Stéphanie, de l'inquiétude. Là, on est inquiet. Mon Dieu. L'inquiétude, c'est un cancer. C'est un cancer mental. Pourquoi? Parce que ça rend les gens malades. Ah, mais donc, je suis né inquiet. Non, on n'est pas né inquiet. On l'a développé. Je comprends qu'il y a des choses pour lesquelles on s'inquiète et que c'est tout à fait normal. Mais quand on s'inquiète 24 heures par jour, c'est une autre histoire. Blue Zone, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler Butler, qui a écrit un volume, le Blue Zone, Stéphanie, qui est distribué à travers le monde, parce que lui, il est allé dans les pays, par exemple, comme en Grèce et comme à Loma Loca, en Californie, ces endroits-là, pour découvrir des gens, par exemple, comme en Italie, pourquoi les gens vivent passé 100 ans. Et il a découvert qu'une des choses, la chose capitale dans tout ce qu'il disait, oui, de l'alimentation, des si accepter de vieillir, de protéger son cerveau, sais-tu c'était quoi, Stéphanie? La relation avec ses semblables. La relation, c'était en premier lieu, la relation avec ses semblables. Parce qu'il n'y a rien de pire quand quelqu'un me dit « j'haïs cette personne-là ». Oui, on peut le dire comme ça, là. Mais quand tu t'en vas chez toi, t'es seul, puis tu commences à penser à une personne ou une situation qui te met, qui te trouble l'esprit, il n'y a rien de pire. Alors, c'est tous ces éléments-là, parce que la santé, c'est comme un casse-tête, c'est un tout. Quand il y a un élément, par exemple, manque d'exercice ou mauvaise alimentation, le casse-tête n'est pas complet. Alors, quand on parle de toutes ces choses-là, mais ce que les gens, comme vous mentionnez, on vit dans un monde de vitesse, alors les gens veulent avoir des réponses le plus rapidement possible. Pourquoi? Alors, une petite pilule, une petite granule, des petites affaires comme on chante dans la chanson. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis la médecine, tu sais, vous savez, la santé, là, Stéphanie, là, c'est pas toujours la médecine. Hein? C'est pas toujours. Puis je l'ai dit, ça, depuis que je l'ai découvert, je parlais du docteur Lagacé, je l'ai découvert, ça, que c'est pas juste la médecine, parce que la plupart du temps, la santé, là, comme je l'ai dit, moi, le jour du Nouvel An, je souhaite de la paix intérieure. Pourquoi? Parce que c'est l'élément le plus important de la santé. Quand ton cœur est en paix, quand ton âme est en paix, quand ton cerveau est en paix, et que tu mets du rire, de l'humour dans ta vie, qui est capable de rire de toi, et puis tu mets de l'amour, puis moins d'inquiétude, surveiller des résultats. Sauf qu'on veut que ça aille rapidement. Les personnes âgées ont compris ça. C'est pour ça que j'aime leur parler. Ils ont compris ça, eux. Ah, oh, merci tellement, Doc Lapointe. Je lis des commentaires, là, les gens, super, on pourrait vous écouter tous les jours, un vrai rayon de soleil. Merci, Doc Lapointe, super enrichissant. Donc, je pense qu'on aurait pris encore et encore, mais on va vous laisser aller vaquer à vos occupations pour votre paix intérieure. On a tellement de choses à dire. C'est ça que je trouve difficile actuellement, parce que moi, tu sais, à 73 ans, je me gêne pas de le dire, puis je me gêne pas parce que les gens me voient sur les plaines. Je marche mon 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures par jour, presque à tous les jours. Puis ça, c'est une autre affaire. Il faut être capable, Stéphanie, lorsqu'on a 65, 70, 75, je vois encore des gens, on dirait qu'ils veulent battre des records. Alors, je dis, wow, arrête un petit peu, là. Arrête un peu, slacker. Tu vas pas gagner puis battre des records. Si vous le faites, tant mieux pour vous autres, c'est extraordinaire. Mais à 70, 75 ans, c'est comme je vois des golfeurs, tu peux pas, Stéphanie, puis ça, je dis pas ça de façon narquoise, là, mais tu peux pas trouver plus pacanaire que des gens retraités qui, au mois de mai, juin et juillet et août, qui vont jouer au golf, qui ont un départ à 5 heures et 45 minutes. Le matin?
Oh, oui, puis c'est 5 h 30. Non, non, non. T'sais, alors, ces gens-là, j'appelle ça en anglais stiffness. Ils sont stiff. Il n'y a pas de souplesse. C'est la même chose que la musculature. Je dis aux gens, même si tu as 70, 60, oui, on a mal, j'ai mal dans les épaules, je mets un peu de Voltaren, je mets un peu de ci, un peu de ça, puis une crème, puis de l'exercice. Garde, c'est normal. Je l'ai mentionné, la ménopause et l'andropause, il y a des choses qui surviennent qui sont tout à fait normales. Arrêtons donc de chialer, arrêtons donc de s'inquiéter, puis prenons donc soin de nous autres un petit peu. Et comme Mère Teresa, Stéphanie, disait, l'être humain, c'est un insensé, un illogique et un égocentrique et une personne un petit peu malade. Alors, dis Alors, ce que Mère Teresa avait complètement tort. Non, non, non. Je dis aux gens en terminant, il va y avoir une seconde vie après la COVID. Il va y avoir une seconde vie. La vie, c'est une aventure. Il faut la sentir, l'apprivoiser, l'aimer, être capable de rire, puis de pleurer, de gagner, de perdre, puis de tomber, puis de se relever. Mais la vie va continuer, puis on peut tomber, mais se relever et continuer. Voilà mon message. Merci, merci, Dr Lapointe, pour votre optimisme. Et puis, donc, moi, je vous laisse, chers participants, avec un témoignage d'une résidente chez Chartwell. Alors, merci, on se voit la semaine prochaine. Et puis, on se quitte avec la vidéo. Mon nom est Louise Bonenfant-Grenier et je suis chez Chartwell depuis 1 an et 1 mois. Nous sommes déménagés d'appartement dans cette résidence-ci et maintenant, même mon mari ne veut plus partir. Chose qu'il y a 1 an, c'était pas gagné. Alors maintenant, je pense qu'on est ici pour très longtemps, j'espère. Pendant la COVID, je me suis occupée, je me suis portée bénévole. Alors, j'ai fait de la garde à l'entrée principale avec personnel de Chartwell, 2 heures par jour. Ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Ici, c'est chaleureux, c'est pas impersonnel, c'est vraiment personnel, c'est personnifié. Chaque personne là, elle a son petit quelque chose. Les gens arrivent, je parle du personnel de Chartwell. Incroyable. Je pourrais en faire partie. Ils ont la même philosophie de vie. Faire plaisir aux gens.